Comment créer un site internet, une boutique en ligne ou bien un portfolio et bien plus. Tout ça facilement et gratuitement. Et en plus de ça, tu peux t'aider et bien de l'IA. Donc ici, de l'intelligence artificielle ChatGPT. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter l'application de création de sites internet, donc ici en utilisant le logiciel Odoo qui devient de plus en plus connu. Et je vais surtout te présenter la toute nouvelle version de la plateforme. Il s'agit donc ici de la version V17. Sachant que ici la première application est offerte, donc autant en profiter. C'est très important, au passage je t'ai déjà présenté Odoo sur ma chaîne YouTube, que ce soit pour la création d'un site internet, d'une boutique en ligne ou bien d'avoir un bon référencement naturel et bien plus. Cette playlist est dans la description de cette vidéo, donc n'hésite vraiment pas à visionner toutes mes vidéos concernant cette plateforme. Petit rappel, Odoo est une très grande entreprise basée en Belgique et qui a plus de 12 millions de clients, 17 bureaux dans le monde et plus de 2800 employés, ce qui est vraiment juste énorme. Et d'ailleurs, je suis vraiment très content de voir aussi l'évolution et bien ici de la plateforme Odoo. Ça me fait super plaisir puisqu'ils ont vraiment aussi augmenté en nombre de clients, en bureaux et que ce soit aussi en employés, et ça fait vraiment plaisir, sachant aussi que bien entendu la plateforme, je te l'ai déjà aussi présenté sur ma chaîne YouTube et je la trouve super bien. Et comme nous avons aussi pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai créé mon site internet christolyonnais.com en fait via le logiciel Odoo en seulement quelques heures. Et ça, c'est pas mal du tout. Et aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble la toute nouvelle version proposée par Odoo qui est la V17. Et pour rappel, tu auras gratuitement et à vie un hébergement et un service support français. Donc moi, c'est ce que j'ai eu aussi avec mon site christolyonnais.com, sachant que ton nom de domaine est offert pendant un an. Et tu auras aussi bien entendu cette interface intuitive avec le système de drag and drop. Et tu auras donc accès aussi au sommaire de la vidéo dans la description si jamais tu souhaites accéder à un moment qui t'intéresse. On se retrouve donc sur leur site internet qui est dans la description de cette vidéo, ici avec la création du site web avec l'IA. Donc comme tu peux le voir au niveau des process, ici tout simplement remplir les informations demandées, bienvenue sur Odoo, la seule plateforme dont vous aurez besoin, prêt à créer le site web parfait, allons-y. Et donc là je clique dessus, je veux donc ici pour l'exemple on va mettre un site web d'entreprise. Dans affaires, et c'est là où c'est très important en fait, par exemple là je vais mettre chaussures, donc en fait c'est de mettre ici un peu plus d'informations pour que l'IA puisse créer des templates par la suite. Avec l'objectif principal, bon bah forcément ici de vendre plus. Donc une fois que tout ça c'est fait, ici il faudra choisir une palette prédéfinie, donc de couleurs. Alors moi si je veux faire par exemple une boutique, un site de chaussures un petit peu, donc j'ai choisi un peu les couleurs tout en bas à droite. Là nous aurons la page ajouter page et fonctionnalités, tout ça je vous en parle dans mes précédentes vidéos. Donc là je fais construire mon site web. Et donc là on va arriver avec des templates comme tu peux le voir qui ont été créés par l'IA dans l'univers des chaussures. Et c'est extrêmement bien fait, là dessus je suis vraiment super content. On a vraiment trois templates, donc là il suffit tout simplement de sélectionner le template qui te convient le plus. Là c'est ça a été fait et donc là votre site web est en construction. Donc astuce, dès que votre site web est chargé, suivez les pointeurs pour créer la page parfaite ici. Et donc là on arrive sur le site qui a été créé en seulement quelques secondes avec l'intelligence artificielle dans l'univers des chaussures. Donc voilà, franchement concernant cette nouvelle fonctionnalité, c'est super bien fait, ça permet de gagner en productivité et en temps. Et maintenant nous allons voir l'utilisation de ChatGPT pour générer du texte. Et là c'est super intelligent, on va utiliser l'intelligence artificielle pour enrichir le contenu. Donc ici on va tout simplement sélectionner du texte, aller dans personnaliser et tout en bas à gauche tu auras IA. Et donc là comme tu peux le voir, il va faire trois propositions d'intelligence artificielle de texte. Donc là on peut même lui demander de faire quelque chose de plus long, de plus friendly, de plus professionnel par exemple. Et donc là on va vraiment pouvoir pousser ses recherches. C'est-à-dire que là j'ai tout simplement sélectionné du texte et il va pouvoir me l'enrichir.
plonger dans l'univers de la mode de chaussures, visiter notre magasin pour trouver plus de 300 chaussures, etc. Donc là, il suffit de cliquer, de sélectionner, de cliquer sur insérer pour insérer ici le texte en question. Et en plus de ça, on peut bien entendu rajouter du contenu. C'est-à-dire que là, je fais Enter, donc je saute une ligne ici et puis je vais cliquer sur IA. Et là, je peux lui poser tout type de questions. Bon, bah, par exemple, comment bien choisir sa chaussure, quel type de chaussure dois-je avoir pour faire du sport, enfin voilà, etc., etc. Et on va avoir ici Odoobot, donc on aura l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va tout simplement, par exemple ici, eh bien, te donner des conseils, voilà, qui va enrichir, qui va te rajouter du contenu. Donc on peut enrichir du contenu et rajouter du contenu grâce à l'intelligence artificielle en seulement quelques clics via l'interface ici Odoo. Nous allons voir une autre fonctionnalité qui est pas mal du tout, c'est animer sur lignée. Donc ici on va sélectionner du texte et comme tu peux le voir tout à droite, on clique sur animer. On aura animation à l'apparition ou au défilement. On aura aussi fondu, basculé par l'axe Y, tada, secouer, impulsion, flash agrandir, réduire, rotation, rebond. Et comme tu peux le voir à gauche en temps réel, on voit aussi eh bien, les animations possibles ici, les effets en question, en place depuis la droite, depuis la gauche, depuis le bas. Bref, il est vraiment possible de personnaliser un petit peu eh bien, les animations. Donc ça, c'est vraiment cool avec aussi l'intensité à chaque fois ou une première fois seulement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une excellente chose. On aura la possibilité aussi de surligner cette animation là, donc je trouve que c'est aussi assez sympa. Ils ont rajouté quand même ici eh bien une belle option qui je pense peut être vraiment intéressante dans certaines situations sur ton site internet. Et maintenant nous allons donc parler des formes, et alors ça aussi c'est vraiment super bien fait. Donc comme tu peux le voir à droite, j'ai cliqué ici au niveau de formes et là on aura la géométrie, donc on aura vraiment des formes différentes géométriques arrondies. Vraiment super sympa. Et là où ça va être encore plus sympa, c'est par exemple géométrique panneau. Je trouve que ça rend vraiment des effets. On aura composite, on aura brossé, on aura composition. Et là on va être sur finalement eh bien on va dire des formes un peu dynamiques, animées. Et là ça devient super intéressant, je trouve ça super joli, ça fait ultra moderne en seulement quelques clics. C'est ça le but aussi, c'est la simplicité que propose là Odoo. Comme tu peux le voir avec spéciaux, enfin vraiment on va se retrouver mais avec un tas de formes possibles en plus animées. Avec aussi ce qu'on appelle des mock-ups comme tu peux le voir, où en fait l'image sera directement par exemple là intégrée sur le MacBook ou sur l'iPhone, ce genre de choses. Donc là aussi c'est pas mal, ça rend vraiment ton site beaucoup beaucoup plus professionnel, dynamique et aussi moderne. Maintenant on va parler de déplacer une image, du texte, un bouton, etc. Et ça c'est vraiment pas mal, c'est à dire qu'on va avoir ce système de grille comme tu peux le voir, où on va vraiment pouvoir, lorsqu'on va sélectionner un élément, et bien le déplacer. Par exemple là c'est le MacBook, l'image. Je peux aussi déplacer bien entendu le texte, mais je peux aussi bien entendu en haut à droite en fait rajouter une image, du texte ou alors un bouton. Et ça c'est top, c'est la possibilité de personnaliser en fait vraiment tous ces blocs et de choisir, par exemple je souhaite que mon bouton, imaginons un CTA, un call to action, que ce bouton apparaisse là, et bien tu peux le faire ici avec le logiciel Odoo. Et ça je trouve que c'est une excellente chose. Maintenant nous allons voir ensemble et bien la possibilité et bien de créer une page, comme je l'ai fait en haut à droite avec nouveau page, mais c'est surtout ici en fait avec le système de template. C'est-à-dire que je peux créer une page et comme tu peux le voir à gauche, on a basique, à propos de, page d'accueil, galerie, intervention, plan tarifaire, équipe personnalisée. Et ça, c'est super intéressant puisque en plus de t'aider de l'intelligence artificielle pour enrichir ton contenu ou pour rajouter du contenu, ici, tu as la possibilité de carrément créer de nouvelles pages en quelques secondes et tout simplement par la suite, eh bien, de repartir sur ces templates existants pour après, en fait, travailler dessus. Et comme je t'ai dit, bon, bah voilà, tu gagnes mais un temps fou en faisant ça, et en plus de ça tu gardes des structures existantes qui sont plutôt bien optimisées et qui vont vraiment eh bien, de maintenir aussi bien entendu eh bien, ici l'attention des visiteurs. Nous allons voir la possibilité d'enregistrer un bloc, et ça c'est vraiment super bien. Donc on va rajouter un bloc ici sur l'écran, donc comme ça tu peux le voir. Donc ce bloc en question, comme tu peux le voir à droite, on a différents modèles, donc ça c'est super. On peut vraiment aussi personnaliser un petit peu ce bloc là et puis aussi déplacer des images, rajouter du contenu, etc., comme on a pu le voir juste avant. Mais sauf qu'en plus de ça en fait, c'est que là ce bloc là je peux l'enregistrer, et ça c'est vraiment bien parce que ça va te permettre
permet tout simplement sur une autre page de réutiliser ce bloc là. Et ça, je trouve que c'est une excellente chose et qui va te permettre aussi de gagner en temps. C'est-à-dire que si tu crées un bloc que tu aimes bien et que tu aimerais réutiliser ce bloc là sur une autre page, eh bien tu peux le faire en l'espace de quelques clics. Donc suffit bien d'enregistrer en haut à droite, hein, de cliquer sur le petit bouton, et une fois que c'est enregistré, en fait ça restera toujours en fait sur ici l'interface Odoo dans le logiciel. Donc ça, c'est pas mal du tout. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui la plateforme Odoo, qui est vraiment sécurisée et qui te permet eh bien, de créer facilement et en plus de ça gratuitement eh bien, un site web. Et en plus de ça, il rajoute fréquemment des nouvelles fonctionnalités, comme ici on a pu le voir ensemble avec l'intégration de l'intelligence artificielle, donc ici de ChatGPT, ce qui est vraiment un énorme plus. Et ils vont aussi mettre à jour fréquemment eh bien, ici leur logiciel. Donc ça, franchement, il n'y a rien à dire, cette version V17 est tip top. Et comme j'aime bien le dire aussi assez fréquemment, c'est qu'en fait l'objectif est de gagner en temps et en productivité. Donc autant utiliser ce qu'on appelle des ruptures technologiques comme l'intelligence artificielle, bah, pour qu'elle puisse tout simplement t'épauler. Et pour rappel, la première application est gratuite à vie, ainsi que l'hébergement et le support en français. Le nom de domaine, quant à lui, est offert en fait la première année. Et ça, c'est trop bien. Et j'en ai bénéficié d'ailleurs avec mon site internet Christo Lyonnais, où j'ai eu durant la première année en fait le nom de domaine qui m'a été offert. On aura aussi, comme je te l'ai dit, le système drag and drop ici dans l'application site web qui est très intéressant et forcément facile à utiliser, comme on a pu le voir. Sachant que Odoo propose 45 applications, que ce soit dans la création de sites internet, la facturation, la comptabilité, signature électronique et bien plus. Bref, Odoo est vraiment ultra complet et je suis très content aussi de continuer et de pouvoir te présenter tous ces nouveaux logiciels qui sont vraiment très intéressants. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue de regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.